Eh bien salut à tous, c'est Maxi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une fois de plus dédiée à la PS Vita. On a installé, lors du précédent tuto, Adrenaline. Nous allons donc voir aujourd'hui comment faire fonctionner les jeux PlayStation 1 sur Adrenaline. Pour ce faire, 95% du tutoriel va se passer sur le PC, puisqu'on va devoir convertir nos jeux PlayStation. Allez, on est parti du côté du PC. Donc dans les détails de la vidéo, vous trouverez une archive avec à l'intérieur un logiciel PSX ou PSP, et deux images. Ce seront les images dont on va se servir de référence parce qu'elles ont la bonne taille afin de pouvoir faire le background et l'icône du jeu qu'on va installer dans la console. Je vais vous montrer la démarche. Moi, pour ma part, je vais installer Castlevania Son of the Night. Du moins, je vais le convertir en PBP afin qu'il soit utilisable. Donc du coup, on va directement se lancer dans PSX ou PSP et on va lancer le PSX ou PSP.exe. Voilà, on fait exécuter. Là, on arrive sur cette interface-là. Si jamais vous n'avez pas cette interface-là, vous avez une interface qui est beaucoup plus graphique, vous irez dans Options, dans Thème, vous décocherez le mode Thème, vous ferez Save, ensuite vous refermerez, vous réouvrirez afin d'avoir comme moi l'interface classique, qui est l'interface plus pratique pour vous montrer toutes les petites choses. Et il me semble qu'il y a des bugs dans l'interface avec un thème, donc du coup, vaut mieux se servir de l'interface classique. Donc, on va commencer par les options. Donc la compression, on mettra en 9, on va cocher ces trois cases-là. Ici, on cochera le Q-File, et là, vous mettrez les mêmes paramètres que moi. Dans l'onglet Folder, bah, c'est pour mettre les fichiers par défaut sur lesquels on va enregistrer. Donc là, c'est pas très... Voilà, il n'y a pas besoin d'écrire quoi que ce soit à l'intérieur. Ici, vous cocherez, parce que au départ, c'est coché Main Game ID Folder. Là, non, nous, on va demander Create Main Game Title Folder. C'est ce qui nous permettra d'avoir un dossier qui porte le nom du jeu plutôt que de porter le numéro de série du jeu. Ensuite, dans Images, il n'y a rien besoin de mettre. Dans Patch, moi personnellement, je mets rien. Et dans Thème, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut décocher le Custom Mode. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on est donc sur l'interface du logiciel, c'est assez simple. Ici, on va venir sélectionner. Donc si c'est un jeu à un fichier, on va ici venir sélectionner le fichier 1. Hop, on ouvre. Et là, on va sélectionner par exemple Son of the Night. Ensuite, dans le reste des champs, ici donc on n'a rien à toucher puisque le jeu est bien détecté. Dans le icône image ici, donc on va venir chercher une image, mais l'image n'est pas faite. C'est pour ça que je vous ai mis ça, les deux petits fichiers PNG, afin que vous puissiez les faire facilement. Donc moi, je fais clic droit, ouvrir avec Photoshop. Je vais vous montrer comment je procède. Donc là, c'est juste pour l'icône. Donc dans l'icône, je vais simplement mettre la jaquette. Voilà, je prends la jaquette de Castlevania, je la glisse dedans et j'essaye de l'adapter. Donc le logo PlayStation, je m'en fous un peu. Je vais le retirer comme ça. Voilà, j'essaye simplement d'adapter ma miniature afin d'avoir une miniature qui me convienne, une icône qui me convienne pour... Voilà, on va dire que comme ça c'est bien, on va pas perdre énormément de temps là-dessus, on fait fichier, enregistrer sous. On demande du PNG. Non. Et là, bon voilà, je vais l'appeler icône 2, puisque j'en ai déjà une autre. Hop, enregistrer. Voilà, décidément. Icône 2.png, voilà, enregistré, et on fait OK, et on fait pareil avec le background. Donc ce que je fais là, je veux pas enregistrer, je prends ma deuxième image qui est l'image du background, hop, je la glisse à l'intérieur, je prends une image que j'ai trouvée sur internet hein, afin de faire un joli background au niveau du jeu, hop, j'enregistre, pareil, fichier enregistré sous en PNG, là je vais l'appeler background 2. Hop, j'enregistre, je fais OK et c'est fini pour Photoshop, on n'en a plus besoin. Hop, ça, non, je veux pas enregistrer, je n'en ai absolument pas besoin. Une fois que c'est fait, bah, dans l'image de l'icône, on va aller choisir notre icône, en se trompant pas, donc là ça sera icône 2. Et dans l'image du background, on va aller sélectionner le background. Alors je ne vous ai pas mis le background musique puisque ça nécessite d'avoir un fichier AT3. Et que j'ai pas spécialement trop regardé comment faire les fichiers AT3. Mais ici, vous pouvez rajouter un background musique au moment où vous sélectionnez le jeu dans le menu de la console. Vous aurez la petite musique qui se joue. Dans icône animation, c'est pareil, c'est un fichier PMF. C'est pour avoir une petite vidéo preview du jeu à la place de l'icône, juste après l'icône. Pareil, je ne l'ai pas mis parce que si la vidéo en .PMF fait plus d'une certaine taille, en fait, il me semble que l'icône
plus le fichier icône1.pmf qui donc servira à faire la vidéo, il faut pas que ça dépasse les 450 kg sinon ça fonctionne pas. Donc du coup, moi j'ai pas besoin de, voilà, hein, pour le peu de jeu que je vais mettre à l'intérieur, j'ai pas besoin de faire énormément de choses. Ensuite, bah une fois qu'on a terminé, on peut faire une preview. Voilà comment ça va s'afficher dans mon menu directement sur la PSP. Enfin sur la Vita du coup, pardon. Et là du coup, une fois qu'on a terminé, bah, on peut cliquer sur Convert. Ça va nous créer le fichier PBP du jeu. Donc là, bien évidemment, j'ai pas mis l'endroit où je le voulais. Donc je vais dire que je veux le dossier sur le bureau directement. Hop, je fais OK. Et je clique sur Convert. Donc là, voilà, hein, ça va compresser. Il y en a pour quelques instants. C'est vraiment pas très très long. Et là, donc du coup, on aura à l'intérieur de ce dossier notre fichier PBP. On va pouvoir mettre dans notre PS Vita afin d'avoir le jeu Castlevania Son of the Night de la PS1 et on pourra y jouer sur la PS Vita. On va attendre que ça se termine. Voilà, donc, comme vous le voyez, c'était quand même assez rapide. Donc ça, c'est pour faire un jeu qui est qu'un seul CD. Si jamais votre jeu a plusieurs CD, donc on va prendre le cas de Metal Gear par exemple, qui en a deux. Je vais réouvrir le logiciel pour que ce soit plus clair. Donc ici, on peut voir qu'on n'a aucun fichier sélectionné, ça peut aller jusqu'à 5 CD. Donc là, dans le file 1, bah forcément, on va mettre notre CD 1 de Metal Gear. Dans file 2, on va mettre notre CD 2 de Metal Gear. Et il va falloir vérifier une chose qui est très importante. Donc là, dans le Game ID, on peut voir qu'on est sur le SLES 01370. Sur le CD 2, c'est normal que ça change, puisque CD2, c'est forcément pas le même Game ID. Mais par contre, sur le Main Game ID, qui se trouve ici, il faut absolument que les deux soient identiques. Si jamais ça n'est pas le cas, modifiez-le à la main pour qu'il soit pareil que le premier. Il ne faut pas que les deux soient non identiques, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on peut continuer. Voilà, on va mettre son icône, son background, comme on a fait tout à l'heure. Et on va pouvoir cliquer sur Convert et ça va nous convertir en PBP directement un jeu qui a deux CD. Il faut savoir que certains titres ne fonctionneront pas, comme de mémoire par exemple Medieval, qui nécessite un patch, il va falloir patcher l'ISO du jeu. Et si jamais votre jeu ne fonctionne pas une fois que vous l'avez converti en PBP, ce qui peut arriver, il se peut que ce soit par rapport au fait que le jeu était en ISO. Et que du coup le format ISO, ce logiciel là, ne l'aime pas forcément. Moi jusqu'à présent j'ai pas eu de problème, mais ça arrive de temps en temps que le jeu ne passe pas. Donc du coup il va vous falloir convertir votre jeu dans un autre format. Et pour ce faire, bah, je vais vous afficher en bas à droite de l'image le lien que j'avais fait vers une autre vidéo il y a un petit moment déjà, où j'expliquais comment convertir les ISO PS1. Voilà, je vais pas alourdir ce tutoriel là parce que c'est pas la peine. Une fois qu'on a fait tout cela, bah c'est assez simple, hein, vous le connaissez la démarche, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises. Donc vous mettez votre PS Vita en mode FTP. On va donc maintenant se servir de WinISO afin de transférer le jeu. Non, c'est pas ce dossier là, c'est celui-ci. On va se servir de WinSCP, pardon, pas WinISO, pour transférer le jeu. Donc là voilà, tac, je me logue à ma console, je fais OK, je fais OK. Et là maintenant on va aller se diriger. On va y arriver. Donc dans le UX0 PSPMU PSP Game, et là on va transférer le dossier du jeu qu'on a créé directement ici. Donc là moi ce sera Castlevania Symphony of the Night, comme vous pouvez voir j'avais fait avant même de faire le tuto Ridge Racer 4. Donc là il y a juste à attendre, je vais accélérer cette partie là parce que bah il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est pas une partie spécialement intéressante de regarder une barre de chargement. Donc du coup je vais l'accélérer et on se retrouve dans quelques instants sur la Vita pour vous montrer que tout fonctionne bien. De retour sur la Vita, on va donc quitter Vita Shell puisque c'est pas l'objet du tuto. On va lancer Adrenaline. Je vais en profiter également pour vous montrer quelques options que j'ai oublié de montrer dans la précédente vidéo, à savoir que si on reste appuyé sur la touche PS pendant quelques secondes, on va pouvoir accéder aux paramètres de Adrenaline et donc modifier le rendu graphique. Donc là, du coup, on se dirige vers notre memory stick et on peut voir que Castlevania est bien installé avec la petite miniature comme on l'a fait. J'avais précédemment fait Ridge Racer 4 et Ridge Racer sur PSP. Mais on va se lancer le Castlevania puisque c'est celui-ci qu'on a utilisé pour le tuto.
Voilà, je suis désolé pour le focus, hein, la caméra a un peu du mal entre le moment où l'écran est allumé et le moment où l'écran est éteint. Mais comme vous pouvez le voir, ça se lance parfaitement bien. Donc il y a juste à attendre, hein, le temps de chargement est un peu long. Bon, c'est comme ça, je me souviens pas comment c'était sur PSP, mais sur Vita, je trouve que le chargement pour lancer un jeu PlayStation 1 est particulièrement long. Une fois que c'est fait, bah, le jeu se lance, hein, les vidéos fonctionnent. Alors pour tous ceux qui trouvent que l'écran en 4 tiers, c'est pas extra, on va justement aller faire un tour du côté des menus dans quelques instants. Moi, personnellement, je préfère garder le ratio classique des jeux, à savoir le 4 tiers. Les jeux PlayStation 1 étaient en 4 tiers. Il y en a très peu qui acceptaient le 16/9 à l'époque, puisque les télé 16/9 n'étaient pas très très courantes. Et donc du coup, je trouve que l'écran de la PS Vita, si on met le jeu en full, on a quand même un étirement du jeu. C'est comme c'est le cas par exemple quand on joue à de la NES ou à de la Super NES, je trouve que c'est pas très beau. Donc là voilà, hein, je vous lance le jeu pour montrer que tout fonctionne. Et on va aller faire un petit tour du côté du menu des options. Mais pour vous montrer les options, je préférais que le jeu soit lancé, c'est pour ça que c'est un petit peu long. Voilà, donc là j'ai choisi un jeu 2D dans un premier temps, à savoir qu'il existe un plugin, je ne l'ai pas encore testé, ça sera peut-être l'objet d'une vidéo plus tard. Il existe un plugin pour que les jeux 3D prennent en compte le deuxième stick analogique, mais j'ai pas encore essayé tout ça. Là on va aller faire un tour, comme je vous le disais, du côté des menus. Donc on reste appuyé sur la touche PS, on va dans paramètres. Et là, à l'aide des gâchettes L et R, on se déplace sur le troisième menu dans les settings. Et là, on peut voir qu'on a des options graphiques, donc c'est intéressant. Il faut savoir que dès que vous mettez le smooth graphique, on restera en 4 tiers. Donc ça sert à rien de le mettre et de faire des réglages après pour avoir par exemple l'écran en full. Si on quitte, le fait d'avoir le smooth graphique activé, l'écran reste en 4 tiers et devient même plus petit, puisque la réduction en fait de la taille de l'image va faire en sorte que le jeu paraisse plus joli. Moi personnellement, pour ma part, le smooth graphique, je ne m'en sers donc pas, donc je le mets sur off. On va essayer l'Advanced Anti-Aliasing. Là, voilà, on retire. Donc, comme vous voyez, lorsqu'on le retire, on a bien le jeu qui s'étire. Et là, on va pouvoir choisir la taille. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne en full. Hop, on quitte. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Après, ça sera à vous de faire les tests. Voilà, là, les jeux PlayStation 1 fonctionnent parfaitement. Lorsqu'ils ne fonctionnent pas, eh ben, généralement, ça vient du format ISO qu'il faut reconvertir. Donc, comme je l'ai dit précédemment dans l'autre vidéo, dans la vidéo, il vous faudra vous diriger vers le tuto que j'avais créé il y a quelques temps maintenant afin de pouvoir convertir vos ISO quand ils sont en .7Z ou en .APE par exemple. Mais voilà, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures en vous souhaitant, comme d'habitude, de bien vous amuser. Allez, à ciao les amis!